Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. The U.S. military is tracking another mysterious balloon. Officials say it was detected over Hawaii last week. Information, désinformation, manipulation, sabotage. Que se passe-t-il, général? Y aurait-il un bug informationnel? Général Vincent Desportes, bonjour. Vous êtes spécialiste de la réflexion stratégique. Vous avez dirigé l'école de guerre, vous êtes docteur en histoire, vous avez enseigné à Sciences Po, vous avez enseigné la stratégie à HEC, vous êtes un conférencier international, écrivain, vous avez publié chez Robert Laffont « Entrée en stratégie » qui a reçu le prix littéraire de la Saint-Cyrienne, vous avez publié l'an dernier « Devenez leader chez Odile Jacob », mais également la dernière bataille de France qui vous a valu le prix de l'Académie française. Merci d'être parmi nous pour discuter de l'actualité internationale. C'est un grand honneur de vous recevoir. Nous connaissons et apprécions votre expertise et votre franc-parler. Donc, le monde implose, le monde explose. Et c'est avec vous, général, que nous souhaiterions commencer cet entretien par cette question. Nous parlons beaucoup cette semaine du brouillard de la guerre. Information, désinformation, manipulation, sabotage. Que se passe-t-il, général? Y aurait-il un bug informationnel? Alors, la guerre se déroule comme elle doit se dérouler, c'est-à-dire en général de manière parfaitement chaotique et dans le brouillard, c'est dans la nature de la guerre aujourd'hui. Ce qui fait dire ce que vous venez d'affirmer, c'est qu'on est dans un temps mort de la guerre, sur une ligne de front qui n'a pas bougé depuis des mois, et on est en attente de quelque chose qui va se passer. De part et d'autre, les deux adversaires, l'Ukrainien et le Russe, cherchent à désinformer de manière à créer une surprise. Il est très probable, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que les Ukrainiens lancent dans les mois à venir une contre-offensive. Le point pour eux est de surprendre les Russes de manière à ce qu'elles puissent produire un effet dont on peut parler éventuellement. Quant aux Russes, personne ne sait aujourd'hui s'ils entendent relancer leur manœuvre en direction de l'Ouest. Je pense que c'est assez improbable, mais en tout cas, chacun cherche à leurrer l'autre, à surprendre l'autre, à diffuser des informations qui sont fausses, avec, par exemple, sur Prigogine, des rumeurs comme quoi il aurait trahi la Russie, etc. On voit bien qu'on est dans une manœuvre de désinformation qui accompagne toujours la guerre. Oui, je voulais d'ailleurs rebondir là-dessus, parce qu'on a quand même assisté, et c'est assez hollywoodien dans tous les sens du terme, fuite de documents classifiés top secret de la CIA, les missiles hypersoniques russes détruits avec une certaine facilité, visiblement, personne ne s'y attendait, déclarations de Prigogine qui sont quasiment inaudibles, des ballons mystérieux qui survolent le ciel des États-Unis. Aujourd'hui, la CIA recrute sur les réseaux sociaux pour avoir de l'information. Finalement, c'est ça l'art de la guerre aussi en 2023 ou est-ce que c'est tout simplement nous qui n'étions plus habitués à ces stratégies de grand brouillard où on ne sait plus qui croire, qui écouter, qui dit vrai, qui dit faux. Et finalement, on assiste à un gag. Non, la règle est claire. À la guerre, il ne faut croire personne. On sait bien que la vérité est la première victime de la guerre, que tout discours pendant la guerre est un discours politique, que tout communiqué militaire est à la fois une désinformation
et un message à vocation politique. Mais non, on réapprend simplement ce qu'est la guerre, parce que ça fait des décennies et des décennies que l'Occident n'a pas véritablement connu une guerre entre pires compétiteurs, comme diraient les Américains, entre adversaires presque semblables. Pour l'instant, depuis des décennies, l'Occident se bat du fort au faible. Là, on a un combat du fort au fort. Et donc, toutes les vieilles manœuvres auxquelles nous n'étions plus habitués reviennent. Mais quand vous regardez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, elle est pleine de surprises, de choses incohérentes, de découvertes. Et simplement, nous qui pensions que le monde était ordonné, qu'il était sur une ligne assez facile, partant du moins bien vers le meilleur, on s'aperçoit que c'est faux. On est juste rentré dans la réalité de la guerre, dans la réalité du monde. Justement, Anne-Laure, c'est une question qu'on a posée à plusieurs intervenants dans les dernières semaines, parce que nos auditeurs se demandent toujours, est-ce qu'il y a une manière de suivre cette guerre-là? C'est-à-dire, à qui peut-on se fier? À quoi peut-on se fier? Est-ce qu'il y a des médias? Comment vous faites-vous? Bon, vous avez toute votre expérience, mais est-ce qu'il y a une manière de suivre le déroulement de la guerre où finalement vous dites qu'on ne sait tellement pas ce qui se passe que c'est presque vain que d'essayer de suivre l'actualité de la guerre? Non, il faut la suivre, évidemment. Cette guerre est un véritable séisme qui va bouleverser l'organisation du monde, ou plutôt qui va accélérer le bouleversement du monde, parce que le monde était dans une évolution profonde depuis longtemps. Donc, il faut suivre. Mais la seule façon de suivre est de jeter un doute a priori sur toute information qui est donnée et de recouper au maximum les informations et d'aller écouter de multiples canaux. Même si ce ne sont pas des mensonges, chacun a des perceptions, des lectures différentes de la guerre. Certains regardent la guerre avec des lunettes américaines, d'autres avec des lunettes russes, d'autres avec des lunettes polonaises, d'autres avec des lunettes françaises ou d'autres avec des lunettes allemandes. La vérité, on le sait depuis le début du monde, n'existe pas, mais en temps de guerre, elle existe encore moins. Il n'y a que des vérités en fonction de perception du monde, en fonction de vision stratégique et en fonction de vision à long terme. Donc, le citoyen doit suivre, mais suivre de multiples canaux pour essayer lui-même de se faire une idée. Il n'y a pas un média qui dise la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité, et d'autre part, parce que toute vision du monde est une vision biaisée, biaisée par de la philosophie, biaisée par des intérêts d'État, biaisée par des idéologies. Donc, il n'y a pas de vérité. Chacun doit ouvrir le plus largement possible ses sources d'informations de manière à se faire sa propre opinion et à recouper les informations qui sont données. Sait-on, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, est-ce que les missiles hypersoniques ont été effectivement arrêtés par l'Ukraine? Mais personne ne le sait. Enfin, peut-être certains le savent. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. Y a-t-il eu des missiles hypersoniques? On ne le sait pas. Ont-ils été arrêtés? On ne le sait pas. Combien sont passés? On ne le sait pas. Donc, il faut être en tout cas extrêmement prudent. Général, 15 mois après cette guerre, non pas que l'émotion retombe, mais on commence à entendre certains discours analytiques. Revenons sur certaines polémiques. La Russie est agresseur, mais elle clame être agressée. Comment est-ce qu'on peut un instant comprendre quel est ce sentiment? Est-ce qu'on peut revenir sur la promesse qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aujourd'hui on a des documents déclassifiés qui l'attestent, la promesse qui lui avait été faite par l'OTAN de ne pas avancer un pouce vers l'Est, et c'est ce sur quoi elle légitime en partie l'agression de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a en partie joué avec le feu, avec la Russie, ou est-ce que la Russie est totalement coupable, général? 15 mois après, peut prendre un peu de distance avec tout ça? Les choses n'ont pas changé. Je crois qu'il faut se rappeler ce que disait Montesquieu dans l'Esprit des lois. La guerre incombe à celui qui la lance, et donc évidemment c'est la Russie, mais elle incombe également à celui qui la rend incontournable. Et moi je rajouterais
à celui qui par faiblesse, n'a pris aucune mesure pour l'empêcher. Cette guerre, elle est le fruit d'une... elle est la conjonction d'intérêts et de mépris. Elle est l'expression de la volonté américaine de pratiquer sa grande stratégie, qui, on le sait depuis Brzezinski et le grand échiquier, a deux axes centrales. Un, réduire la Russie au point qu'elle ne soit plus jamais un ennemi. Et deuxièmement, vassaliser les pays européens de manière à ce que Washington reste au centre du monde et dirige unilatéralement l'Occident. Et à la conjonction de ces deux axes, on trouve un outil qui a été effectivement l'élargissement de l'OTAN en 5 vagues, malgré les promesses qui ont été faites. Et quand je parle de mépris, il y a eu, au début de la guerre, le mépris et l'erreur colossale d'évaluation du président Poutine, qui s'est mépris totalement sur ce qu'était l'Ukraine, sur ce qu'était Zelensky, sur ce qu'étaient les Européens et sur ce qu'était le lien entre l'Amérique et les États-Unis. Mais il y a eu avant un mépris considérable envers la Russie en ne tenant pas compte de ses intérêts de sécurité. Et un mépris également en refusant l'histoire longue de la Russie. On sait bien que la Russie n'est pas une nation, la Russie est un empire qui vit avec une frontière qui respire, comme disent les Russes, et que ça fait partie de l'histoire. Si on ne tient pas compte de l'histoire longue, si on ne tient pas compte du sentiment, et c'est ce qui a été fait, du sentiment de faiblesse permanent qui est celui de la Russie et du sentiment d'être assiégé qu'à la Russie, eh bien, on peut conduire des manœuvres qui vont exacerber ce sentiment. C'est exactement ce qui a été fait avec l'élargissement de l'OTAN. Donc, on ne peut évidemment pas dire que la Russie soit la seule responsable. Il y a eu un mépris des intérêts de sécurité de la Russie qui ont poussé finalement la Russie à réagir. La Russie est intégralement fautive puisque c'est elle qui a lancé cette guerre, mais elle a été poussée par des manœuvres qui lui ont été étrangères et des manœuvres lancées essentiellement par les États-Unis. Quand je dis que est fautif également dans une guerre ceux qui n'ont pas su prendre des mesures pour l'empêcher, je pense évidemment à l'Europe. Si l'Europe avait décidé d'exister en 1991, c'est-à-dire lors de la disparition de l'URSS, alors elle n'aurait pas permis aux États-Unis de continuer leur manœuvre et elle aurait fait en sorte d'établir des liens qui auraient permis à la Russie et à l'Europe de vivre ensemble. Quand on regarde ce qui s'est passé au moment justement de la séparation de l'Ukraine et de la Russie, les Américains ne peuvent pas ne pas avoir compris que les Russes voyaient cette séparation d'un œil extrêmement, extrêmement critique. Et au fond, le président Eltsine lui-même était tout à fait opposé à la séparation de l'Ukraine et de la Russie. Et le président Poutine n'a jamais, me semble-t-il, cherché à reconquérir un territoire dont, au fond, les Russes n'ont jamais admis la disparition. Alors, la séparation de l'Ukraine de la Russie aurait possiblement été supportable par la Russie si l'OTAN n'avait pas cherché à intégrer l'Ukraine dans son système de sécurité, ce qui allait conduire les Russes à être en proximité immédiate d'un système qu'ils considéraient comme agressif et qui était l'OTAN. L'OTAN, dont on doit noter que si cette organisation n'a pas conduit de guerre majeure jusqu'en 1991, à partir de 1991, cette guerre
s'est lancé dans des campagnes. Je pense évidemment à la guerre du Kosovo, je pense évidemment à la guerre en Afghanistan. Elle n'a pas lancé, mais elle a pris part. Je pense évidemment à la guerre en Libye en 2011. Et donc, le président Poutine ne pouvait pas considérer comme juste ce que l'OTAN affirmait, c'était qu'elle était une organisation profondément pacifique, uniquement défensive et opposée à la guerre. Donc oui, les responsabilités sont multiples. La guerre, c'est un peu comme un divorce. Hein. Personne n'est parfaitement clair, personne n'est parfaitement noir et personne n'est parfaitement blanc. À la fin de cette histoire, il faudra bien que l'Occident aille admettre qu'elle a exacerbé un sentiment de revanche, un sentiment d'insécurité dans la Russie. Elle a compressé un ressort qui, finalement, s'est détendu et reparti vers l'avant. Les responsabilités sont évidemment multiples, même si le grand fautif, c'est celui qui a rompu l'ordre international et lancé une guerre barbare de reconquête, et ça, c'est la Russie. Pensez-vous qu'on peut encore agir? On voit là que s'il y a négociation pour parler de paix, ça se joue entre Washington et Pékin. Et l'Europe et l'Union européenne est aux abonnés absents, si ce n'est quand même dans une démarche qui ne privilégie ni le dialogue ni la prise en considération de ces rendez-vous manqués depuis 91. Comment on va s'installer entre ces deux puissances? On a le sentiment de ne pas avoir d'espace diplomatique et en tout cas de ne pas en prendre le chemin, alors que ça se joue sur notre sol. Vous avez raison. Ce qui est absolument terrible dans cette guerre, c'est que d'abord, elle n'est pas contrôlée politiquement, c'est-à-dire nous, Européens, ne nous préoccupons que de problématiques opérationnelles et militaires à court terme, sans chercher même à exister, alors que c'est bien une guerre entre Européens, une guerre sur le sol de l'Europe, entre Européens. Ce qui est dramatique pour l'Europe, c'est que dans cette guerre-là, qui est sa guerre, l'Europe n'a aucun projet, et effectivement, elle est ballottée au fil de l'eau, sans avoir d'objectifs à atteindre, sans avoir une vision d'elle-même, sans avoir une vision de la paix qu'il faudra un jour établir. Il est clair que cette guerre devait être conduite, comme toutes les guerres intelligemment conduites, en fonction de la paix qu'on veut obtenir, et sans la définition de cette paix, sans une réflexion sur le système de sécurité qu'il devra émerger en Europe à la fin de cette guerre, cette guerre ne peut pas être conduite raisonnablement. Vous avez raison, les États-Unis tirent les ficelles. Le président Zelensky, lui, est dans son jeu, on ne peut pas lui reprocher. L'Europe, entre les deux, est ballottée. Pas d'autorité politique, elle répond au coup par coup. J'observe la décision de la Grande-Bretagne, par exemple, c'en est une, qui ne fait pas partie de la communauté européenne, mais enfin qui est un pays européen, de livrer des missiles Storm Shadow. C'est une décision qu'elle prend de manière unilatérale et qui, bien évidemment, entraîne l'Europe derrière elle et met en danger l'Europe et peut conduire à un débordement de cette guerre. Donc, on voit donc que l'incapacité de l'Europe à vivre, à exister en tant qu'acteur géopolitique est évidemment une très mauvaise nouvelle. Mais vous parliez de paix. Vous parliez de paix. Moi, je ne vois pas comment, à court terme ou à moyen terme, une paix peut émerger de cette guerre. Si vous me permettez d'aborder le problème de la contre-offensive dont tout le monde parle, les plateaux de télévision attendent avec impatience la contre-offensive dont ils attendent le meilleur et la paix. Et c'est évidemment
un aveuglement. C'est évidemment un aveuglement. Que l'Ukraine soit obligée de lancer une contre-offensive, c'est absolument évident en tant qu'acteur. Sinon, elle est condamnée à voir le front se geler là où il est, et donc elle est condamnée à perdre les territoires qui lui ont appartenu et qu'elle souhaite reconquérir. Donc l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de relancer ou de lancer une contre-offensive. Mais cette contre-offensive, il est clair, ne pourra pas parvenir à la libération de l'intégralité des territoires qui ont été conquis par la Russie. Tout au plus, il faudrait là des moyens que l'Ukraine est très loin d'avoir. Tout au plus, ce que peut en espérer l'Ukraine, c'est une offensive, une avance par surprise, fulgurante, brutale, qui entraînerait un effondrement peut-être psychologique de l'armée russe, peut-être du soutien de la population russe à cette guerre, et possiblement du pouvoir russe. Mais même s'il y avait un effondrement, cet effondrement qui ressemblerait à celui, hélas, qu'a subi la France en 1940. L'armée française n'a pas été battue en 1940, elle s'est effondrée, comme s'est effondrée la volonté de combattre des Français et le gouvernement de Paul Reynaud, comme on le sait, auquel le gouvernement de Pétain a succédé. Donc, quand bien même il y aurait cet effondrement, ça ne conduirait pas à la paix. Ça ne conduirait pas à la paix. La paix, elle suppose une capitulation à un moment donné. Si c'est une capitulation qui ressemble ou qu'on imagine à la 1945, ça n'arrivera pas, puisque les troupes ukrainiennes ne rentreront évidemment jamais sur le territoire russe, quand bien même elles le voudraient, elles en seraient empêchées par les États-Unis. Donc la Russie ne sera jamais contrainte, comme l'a été l'Allemagne, en 1945, elle ne sera jamais contrainte à négocier, elle ne sera jamais contrainte à un traité de paix et elle ne sera jamais contrainte à envoyer ses ressortissants au tribunal international de La Haye. Donc, au pire, la Russie va s'arrêter et je suis persuadé qu'on rentrera dans une nouvelle guerre froide qui sera beaucoup plus chaude que la précédente et que la Russie un jour repartira vers l'avant pour essayer de reconquérir à nouveau l'Ukraine. Donc la contre-offensive ne peut pas amener la paix. C'est bien pour ça qu'il faut aller au-delà de cette contre-offensive et essayer de réfléchir entre acteurs internationaux à une possibilité d'un nouveau système de sécurité en Europe et un nouveau système international qui permette d'établir cette paix. La livraison d'armes chaque jour, chaque mois plus conséquente, fausse bonne idée ? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas, si vous voulez. Je ne crois pas. La communauté internationale ne peut pas laisser l'agresseur russe l'emporter. Les conséquences seraient tout à fait importantes. Les conséquences seraient tout à fait importantes en termes de déstabilisation du monde et de prolifération nucléaire. Donc, la Russie ne peut pas gagner. Ne doit pas gagner. La Russie ne doit pas gagner. En revanche, la question est jusqu'où doit-on laisser l'Ukraine gagner ? Mais il est fondamental pour la stabilité du monde que cette manœuvre coloniale et colonialiste sous protection nucléaire ne produise pas les résultats qu'en attendait le président Poutine. Donc, je crois que il faut absolument que l'Ukraine ne perde pas et que la Russie ne gagne pas. L'Ukraine est parfaitement incapable par elle-même d'assurer cette non-défaite. Et donc, il me semble bon que l'Occident aide l'Ukraine à ne pas perdre. C'est dans l'intérêt de l'Occident. Mais encore une fois, le point n'est pas tant de gagner cette guerre ou d'empêcher l'Ukraine de perdre, que d'envisager une organisation de sécurité en Europe qui dépasse cette guerre et nous permette demain
de vivre ensemble, encore une fois, sans attendre de ces livraisons d'armes le succès d'une contre-offensive qui sera peut-être victorieuse, mais qui, quoi qu'il arrive, ne conduira pas à la paix par elle-même. Général, en vous écoutant, il y a une question qui me vient, une interrogation qui me vient tout de même à l'esprit. On voit que cette guerre se joue entre Européens sur notre sol. On n'a pas voix au chapitre, en tout cas pour de futurs pourparlers, négociations. On voit qu'elle se joue en permanence entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et moi, je me pose cette question, au-delà de cette guerre et de l'invasion russe en Ukraine, nous, Européens, ne serions-nous pas tombés, en quelque sorte, dans un piège américain ? Alors, est-ce que c'est un piège ? Je ne sais pas, mais il est clair que cette guerre rend service aux Américains parce que, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, une des volontés américaines est de rallier les Européens dans leur grande croisade contre la Chine. Et il est clair que dans ce sens, cette guerre les sert, puisque cette guerre divise les Européens entre des visions du monde différentes, et que si les Européens sont en voie de renforcement de leur défense, ils ne le font pas sous la bannière étoilée bleue, mais sous la bannière étoilée américaine. Donc, moi, je ne suis pas sûr que ce soit un piège, mais les Américains ont cette volonté profonde d'être les leaders incontestés de l'Occident, et que cette guerre est une aubaine pour eux dans de nombreux domaines, on le sait, dans le domaine économique, dans le domaine stratégique, mais aussi dans le domaine politique, parce que aujourd'hui, cette guerre assoit leur position de leader. Et c'est évidemment pour nous un piège, puisque c'est l'Amérique démocrate du président Biden qui se lance, qui est lancé dans cette démarche, mais il est tout à fait possible que l'Amérique de demain soit à nouveau une Amérique tournée vers le Pacifique. Ça n'est pas d'ailleurs une affaire de démocrate ou de républicain, puisque le premier à avoir lancé ce grand pivot vers le Pacifique et qui a affirmé être le premier président américain du Pacifique, c'est le président Obama. Il y a une dérive irréversible des États-Unis vers le Pacifique vers leur ouest pour de multiples raisons. Et donc, cette guerre nous piège nous-mêmes, parce que nous remettons de plus en plus notre destin entre des mains qui ne se préoccuperont de nous que tant que ça correspondra à leur intérêt. D'où la nécessité de voir l'Europe enfin se reconstituer ou se constituer, parce qu'elle ne l'a en fait jamais été, en acteur géopolitique, de manière à être capable d'assurer sa propre défense dans un monde qui devient de plus en plus brutal. Je disais tout à l'heure que la contre-offensive ne conduirait pas à la paix, ce qui va probablement amener les Américains à se dessaisir progressivement du problème du problème européen et du problème ukrainien, qui n'est plus véritablement le problème, à se désintéresser du problème russe et à se concentrer sur leur problème, qui est le problème de Taïwan. Et donc, à la fin, nous resterons, nous, Européens, face à la Russie. Ce qui sous-entend deux choses. C'est un, nous devons être capables de nous défendre éventuellement, et nous devons être capables nous-mêmes de trouver un gentleman agreement entre la Russie et nous pour arriver à vivre dans le temps long en paix et dépasser cette guerre ukrainienne, qui ne sera pas, je le répète, résolue par la contre-offensive à venir. Imaginons un scénario catastrophique économiquement pour nous. Les États-Unis décident d'appliquer des sanctions à la Chine. Est-ce qu'on doit suivre les Américains ou pas ? Je pense que
ce que revendique le président Macron est parfaitement justifié, même si beaucoup ne l'aiment pas. Quand il revendique l'autonomie stratégique de l'Europe, il a parfaitement raison. Nous ne devons pas suivre les États-Unis. Les intérêts américains sont les intérêts américains. Ils ne sont pas les intérêts européens. Ces intérêts peuvent être convergents. Je dirais même qu'ils le sont assez fréquemment, mais ils ne le sont pas toujours. Qu'irions-nous faire, nous, Européens, dans la galère de Taïwan, si jamais un conflit venait à éclater ? Eh bien, rien. Nous n'avons rien à y faire. Comme le dit le chef d'état-major des armées, il faut gagner la guerre avant la guerre, et peut-être gagner la guerre qui se prépare entre la Chine et les États-Unis, c'est devenir cette puissance d'équilibre que certains appellent de leur vœu, de manière à pouvoir peser sur les affaires du monde, que nous sommes aujourd'hui totalement incapables de faire. Donc la formule gaullienne est toujours juste, allié, oui, mais sûrement pas aligné, et sûrement pas suiviste, en particulier quand il n'est en rien évident que les intérêts américains correspondent parfaitement aux intérêts européens et français en particulier. Est-ce que je peux avoir votre avis sur l'extraterritorialité du droit américain dont les entreprises françaises souffrent énormément ? Est-ce que vous trouvez ça tout simplement normal pour des pays alliés ? Mais vous savez bien que c'est totalement anormal. Mais nous ne souffrons là que de notre propre faiblesse. Si nous avions été, et en particulier à partir de 1991, capables de nous affirmer comme une puissance géopolitique, si nous avions admis l'idée fondamentale d'Europe puissance, alors nous ne serions pas en train de subir les règles commerciales américaines, parce que vous n'en parlez pas, mais nous subissons les lois commerciales américaines, et nous ne subirions pas le droit américain. Mais encore faudrait-il que nous ayons la volonté ensemble de faire front, non pas en opposition aux États-Unis, mais simplement dans la volonté d'être respecté en tant qu'entité entité politique. Nul n'ignore et n'a oublié que l'Occident, c'est aujourd'hui évidemment les États-Unis et l'Europe, mais c'est évidemment d'abord l'Europe. Et donc, il serait tout à fait naturel que nous ayons, que nous acquérions cette autonomie et cette puissance qui irait avec, qui nous permettrait de dire non aux États-Unis, quand les intérêts américains et le droit, l'extraterritorialité du droit américain en est un exemple évidemment frappant, quand les intérêts américains divergent des intérêts européens. Mais cela n'existera que si nous sommes capables de faire masse. Il est clair que chacun des pays européens par lui-même est incapable de résister à la puissance américaine, d'où la nécessité absolue d'arriver à faire corps, sans renier évidemment les identités nationales. L'Europe est absolument nécessaire à la survie des nations, mais l'Europe ne se peut se concevoir que comme évidemment l'Europe des nations. D'ailleurs, on assiste, ça c'est la grande surprise, 15 mois après cette offensive, tout de même à de nouvelles alliances, à un monde qui se bouleverse. Et il semble même quand même que l'hégémonie américaine soit pour une grande partie du globe de plus en plus remise en question. Alors, vous avez raison, mais je dirais l'hégémonie américaine d'une part, parce que l'Amérique et les États-Unis sont le chef de libre, sont le chef de file du monde dit libre. Mais je dirais que l'Occident lui-même est remis en question au-delà même de la... au-delà même des États-Unis. Et donc, les États-Unis et nous-mêmes, la partie européenne de l'Occident, avons à prendre en compte ce problème. On a parlé de l'apparition d'un Sud global. Au fond, comment peut-on définir le Sud global ? Le Sud global ne se définit que par son ethos, et son ethos, c'est le rejet de l'Occident. Occident qui diminue. Nous pensions avoir un certain nombre de pays qui nous étaient
automatiquement alignés. Je pense, quand on parle de la France, je pense par exemple à un certain nombre de pays africains, au Sénégal, au Gabon. Quand on pense à l'Amérique latine, on pense naturellement au Brésil, etc., dont on a bien compris à l'occasion des votes engendrés par le conflit en Ukraine qu'ils n'étaient plus... Il ne faisait plus partie de notre famille proche. Donc, on a non seulement un rejet de l'hégémonie américaine, mais on a une désoccidentalisation du monde, qui est un fait acquis et qui ne reviendra pas. Au fond, ce que le monde rejette dans sa grande majorité, parce que ça n'est pas la majorité des nations, mais les nations qui rejettent l'Occident représentent les deux tiers de l'humanité, donc ça n'est pas exactement rien. Ces nations-là rejettent au fond le monde tel qu'il a été organisé par les puissants en 1945. Ce qui est rejeté, c'est une hégémonie globale, c'est le sentiment que nous avons, nous, d'être le bien alors que les autres seraient le mal, c'est le sentiment que nous avons, nous, de dire seule notre culture doit prévaloir, seule notre philosophie doit prévaloir. C'est le monde d'aujourd'hui, on assiste à un rééquilibrage naturel du monde et qu'on ne peut pas éviter, et qui se fait évidemment au détriment de l'Occident. Quand on regarde, et là je vous rejoins, quand on regarde les discours américains, on entend souvent des idéologues américains dire « il faut reconstruire le monde comme nous l'avons bâti en 1945 ». Hélas, le moment de San Francisco est terminé. Donc si nous ne voulons pas nous faire imposer une nouvelle organisation du monde par les puissances montantes. Et je pense évidemment à la Chine, mais je pense évidemment aussi à l'Inde, qui rejette massivement l'ordre occidental, même si on sait bien que l'Inde joue un jeu d'équilibriste et a des alliances un peu changeantes. Je pense au Brésil. Donc, il est temps de comprendre, comme le disait Pierre Asner, que nous ne sommes plus au centre du monde et nous ne pouvons plus lui dicter sa loi. Donc, l'Occident doit prendre en compte les nouvelles réalités et admettre qu'il devra vivre en coexistence pacifique avec de nouvelles cultures, avec d'autres cultures, avec d'autres philosophies, voire avec d'autres religions. Il faut donc penser ce monde et ne pas s'obstiner à vouloir reconstruire un monde qui s'était déjà largement fissuré et que cette guerre en Ukraine va définitivement faire disparaître. Et pour vous, les Occidentaux vivent dans le déni de cette reconfiguration de l'ordre international et les grands médias y participent à ce grand déni? Alors, peut-être pas tous les Occidentaux. Moi, je pense que c'est majoritairement le cas des États-Unis qui se vivent comme une superpuissance et ne ressentent pas, non pas leur décadence, mais leur rattrapage démographique, le rattrapage économique du reste du monde par rapport à eux, et donc leur remise quelque part au pas. Je pense que les pays européens ont ressenti depuis longtemps, évidemment, la disparition de leur toute-puissance, puisque l'Europe a été la très grande puissance pendant de nombreux siècles. Mais ils tombent sous le... Dans la pensée américaine et s'en remettent aux États-Unis pour conserver leur position, ce qui est évidemment une erreur. Et donc, oui, cette non prise en compte des nouvelles réalités mondiales me paraît un fait assez général. C'est tout à fait intéressant d'aller lire et comprendre ce que disent les grands idéologues, les grands penseurs russes qui ne sont pas directement engagés dans la guerre, ou indiens, ou africains, ou moyen-orientaux, qui, eux, ont le sentiment profond de ce rééquilibrage du monde, alors que beaucoup d'Occidentaux ne l'ont pas, vivent sur une idée qui est désormais de plus en plus fausse. On a remarqué, et ça n'a pas joué en notre faveur, que la plupart des pays qui n'ont pas suivi, enfin qui ont considéré en tout cas cette guerre comme une guerre entre Occidentaux ou entre Européens,
Le principal reproche que j'ai régulièrement entendu, c'est que l'Occident n'ait pas voulu reconnaître qu'une guerre civile ait bien commencé en 2014 et non pas une guerre en 2022, et qu'il y avait quand même eu des populations russophones mises largement en danger par le gouvernement de Kiev. Évidemment, ça ne justifie pas ce qui s'est passé en 2022, mais le fait de nier les 14 000 victimes des deux côtés jusqu'en 2022, aussi bien civiles que militaires, nous a été reproché. On nous a dit, attendez, vous avez simplifié le débat, cette guerre a commencé en 2014, il y a eu des exactions, etc., qui ont été passées sous silence, et vous mentez. Aujourd'hui, on a perdu du crédit face à cette omission aussi bien politique que médiatique. Alors, c'est possible. Mais je crois que ce que le Sud global nous reproche surtout, c'est les deux poids, deux mesures. Et c'est, par exemple, évidemment, on demande aux pays que nous croyons amis, qui le sont encore, mais qui ne sont pas alignés, de s'unir avec nous parce que la Russie conduit une manœuvre d'agression vis-à-vis de l'Ukraine. Mais évidemment, il est facile de rétorquer que les États-Unis ont fait exactement la même chose avec l'Irak en 2003, dans des conditions un peu différentes, mais avec le Kosovo et avec la Libye. Donc je crois que ce qui est surtout reproché à l'Occident, c'est de ne voir le monde qu'à partir de ses propres lunettes et de ne pas admettre que l'Occident, parce qu'il était tout puissant et qu'il pouvait dire la loi au monde, a lancé également des guerres qui peuvent être assez facilement comparées à celle qui a été lancée par le président Poutine, même si on peut évidemment également dire que la barbarie, il faut bien parler de barbarie dont ont fait preuve les armées russes en de nombreux points du territoire ukrainien, n'ont pas ou très peu d'équivalent de l'autre côté. Mais c'est bien ces deux poids, deux mesures, là, qui sont profondément reprochés à l'Occident. Peut-être, et ça peut être un mot de la fin, Jérôme, je te laisse intervenir si tu as une question, mais peut-être une pensée méditative, ce conflit terrible qui s'est ouvert le 24 février 2022, qui ouvre aujourd'hui un monde multipolaire, peut-être, avec, espérons-le, pourra peut-être nous amener à un rééquilibrage et à une communication peut-être moins arrogante, plus apaisée, non ? Est-ce qu'on peut tirer du bon de tout ça, finalement ? On voit là que les hégémonies évoluent, que les centres d'influence évoluent, que le monde bascule. Est-ce que malgré tout, dans cette période extrêmement trouble et apocalyptique qu'on traverse, il peut ressortir quelque chose de tout ça, de positif, dans cette reconfiguration qui voit le jour sous nos yeux en direct? Alors, d'une part, il faut l'espérer, mais rien de net ne naîtra qui n'a été voulu. C'est-à-dire que on ne peut faire le surgir qu'un monde qu'on a pensé et qu'on veut bâtir. Pourquoi est-ce que le monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale a été pendant un certain temps, pourquoi est-ce qu'on a construit un système international qui a assez bien fonctionné? Parce que ce monde-là a été pensé avant la guerre, il a été pensé avant la fin de la guerre. La charte de l'Atlantique a été pensée par les Anglo-Américains dès 1941, et la première déclaration des Nations Unies, en fait, date de janvier 1942, même si elle a pris corps en juin 1945 à San Francisco. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il peut en sortir du bien, et il est sorti du bien de la Deuxième Guerre mondiale, mais parce qu'il a été pensé et voulu. Et je dirais qu'il a été pensé et voulu par une nation
qui se savaient faibles à cette époque-là et qui étaient les États-Unis. La grande difficulté, on se rappelle que les États-Unis avaient une armée de 300 000 hommes en 1941 contre une armée allemande de 6 millions d'hommes. Donc, ils ont cherché à créer un monde et ils y sont parvenus. Aujourd'hui, hélas, la superpuissance américaine a du mal à laisser concevoir par les États-Unis un monde qui soit franchement différent de celui qui existe aujourd'hui et qui est plutôt confortable pour les Américains. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est temps aujourd'hui de se mettre la tête entre les mains et de réfléchir à l'après-guerre, c'est-à-dire à un système de paix qui permettra de sortir immédiatement de cette guerre ou le plus rapidement possible, et là, ça n'est pas demain. Ensuite, de penser à un système de sécurité européen et puis prendre des décisions. Est-ce que ce système de sécurité, on le fera avec ou sans la Russie ou contre la Russie? Comment vivre avec la Russie, c'est quand même un problème important qui est à régler. En tout cas, on ne fera pas en sorte que la Russie disparaisse parce que la Russie restera là et les Russes resteront des Russes. Bon, Montesquieu disait des persans, comment peut-on être persan? Alors on peut s'étonner des persans au XVIIIe siècle, au XXIe siècle, on ne peut pas s'étonner de l'existence des Russes, ils existent. Il faudra bien bâtir avec les Russes et avec la Russie. Ensuite, le troisième point, il faut bien, on en parlait tout à l'heure en évoquant le Sud global, il faut bien déjà penser à l'organisation future du monde dans lequel nous serons simplement un des acteurs puisque ce monde sera forcément multipolaire. Le monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale a été pensé très rapidement. Il nous appartient désormais de penser le monde de l'après-guerre en Ukraine, de cette guerre qui n'est pas une guerre mondiale, mais qui est une guerre déjà mondialisée. La bonne nouvelle, je crois qu'il y en a une, l'Europe est morte. L'Europe est morte parce qu'elle ne survivra pas dans sa forme à cette guerre. C'est peut-être une bonne nouvelle, puisque l'Europe à 27 avait du mal à vivre. L'Europe à 35, appelée de ses voeux par le chancelier Scholz, évidemment, elle ne pourrait pas fonctionner avec le système qui a été mis en place. Eh bien, nous serons dans l'obligation de repenser l'Europe, de la repenser différemment, peut-être de la repenser avec plusieurs Europes et non pas une seule Europe. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette guerre. Merci, Général. Jérôme ? Très bien, merci. Très bien, merci. Écoutez, merci pour vos éclairages, Général. C'est toujours un très grand plaisir de vous entendre, de vous écouter. Et nous vous recevrons très prochainement pour recueillir à nouveau vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Merci, très apprécié.